Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour une nouvelle recette. La recette que je vous propose, c'est comment faire la cuisse de dinde braisée au four avec ses pommes de terre. Donc, pour en savoir plus, on y va. Pour débuter la recette, j'ai pris la cuisse de dinde que j'ai déjà nettoyée, fait des incisions. Sur laquelle j'ai fait des incisions. Avec mon assaisonnement du bar assaisonné avec pain assaisonné avec normal et le mini pack. Vous avez en deux formats. Voici un peu à quoi la texture. Là, je rajoute un peu de mon assaisonnement là, avec de l'huile. Je vais très bien mariner puis laisser reposer. L'idéal serait de laisser reposer pendant toute la nuit au frigo. Le lendemain, vous enfournez. Mais il n'y a pas de temps. Ça a été très bien mariné là. Ça sent bon comme ça. Dans une plaque, je rajoute de l'eau. Je vais poser la cuisse de ma dinde sur le grillage là. Et on va enfourner à 180 degrés pour le temps qu'il faudra. Quoi, il faut vérifier chez vous. Tu vérifies, c'est cuit, tu retires. Là, ma dinde est cuite, elle va rester au four là-bas. Ici, j'ai des pommes de terre et des carottes. Déjà nettoyé pour gagner un temps. Je vais les rincer. Puis les potes, je vais les faire cuire tout en rajoutant du sel. Ça boue. Vous pouvez les laisser. Bon, moi j'aime quand c'est un peu pâteux là. C'est-à-dire, quand tu manges, puis ils rentrent dedans. Donc j'ai laissé cuire un peu plus longtemps. Je vais rajouter mon assaisonnement de passepartout. De l'huile. Ça s'en va au four à 200 degrés pour juste 2 à 3 minutes. Voici, j'ai rajouté des cerises après. Si j'ai la roquette, un peu de sauce piment doux. Ah bien, chez Lidl et la sauce là. On va dresser l'ensemble. Donc voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dira bye bye. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement. Et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement, la grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal. Pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,